Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction direction la Corée du Sud avec l'artiste solo coréenne, j'ai nommé Lee Hee et son titre Honnae. Je pense que c'est un titre pré-release pour son nouvel album qui va sortir dans peu de temps et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Le 23 du 9 en 2021... Ok, on voit chaque fois au fur et à mesure le passé. C'est peut-être toutes des dates importantes pour elle. Ça, c'est super beau visuellement. On dirait elle, mais plus âgée. Donc c'est eux deux, mais dans le futur. Donc tu vois vraiment des comme un puzzle, tu vois le futur, le passé, le présent. Je trouve ça sympa. On dirait que son rêve c'est de danser. Ils ont cette passion en commun. Oh, c'est tout mignon. Ça, c'est de l'amour. Faire des choses simples comme ça pour la personne que tu aimes. Les paroles sont vraiment magnifiques, sublimes. Et le MV est très représentatif des paroles. Franchement, c'est super mignon et joli. Très touchant à la fois. C'est comme s'ils apprenaient l'un et l'autre. Peut-être que c'est un entraînement pour leur ouverture de bal, pour leur mariage. Ou peut-être que je pars un petit peu loin, mais c'est peut-être possible. Après, on le voit toujours chez un médecin. Et on voyait au niveau neurologique. Aussi, là voilà. Oh, ça c'est vraiment magnifique comme image. Donc les voix eux et leur eux futur âgé. J'aime beaucoup vraiment son aile et son reflet de miroir du futur. C'est vraiment très très joli je trouve. Ou pour un concours de danse possible. Avec ses petites pantoufles de verre. Non, je rigole, là, c'est des pantoufles à paillettes.
Oh. Oh. D'une dame âgée. Alors déjà de 1, je trouve que c'est une magnifique chanson liée à une voix, j'ai envie de vous dire, sublime. Donc j'ai adoré, évidemment, une très très belle balade. Les paroles étaient juste superbes, magnifiques, ça m'a même ému, mais surtout le MV. Tu comprends en fait vers la fin du MV que tout simplement je pense que cette jeune femme a une maladie. On le voit souvent dans un cabinet, elle qui l'attend, peut-être qui veut pas spécialement que son épouse entend son diagnostic, peut-être une sorte de maladie, de cancer, qu'elle va pouvoir, enfin qu'elle va mourir malheureusement à un jeune âge. Et on dirait que lui se projette en fait tout le long de sa vie avec elle, et on les voit eux dans le futur, mais plus âgés. Peut-être que c'est une sorte de projection, que si elle n'avait pas été malade, ben, ils auraient fini leur jour ensemble. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé quand on les voit eux présents, mais eux également dans le futur. Et puis dans ce miroir où tu les voyais eux jeunes, et puis le reflet du futur, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu ce plan là franchement, tout le MV était juste magnifique, limite tu voyais une histoire dépeinte devant toi. J'ai vraiment adoré, vraiment, je pense que vous l'avez compris tout le long de mon visionnage, j'ai été chaque fois éblouie par les plans. Et en plus la voix de Lily et cette magnifique chanson, tout était là pour vraiment apprécier. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié sa chanson, également ce magnifique MV qui l'accompagnait. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouverai très très vite pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.